live in a vast and beautiful world. If we don't fight for it, who will? Come on, Snowball. It's time to get started. Mei Ling Zhao is a world-renowned climatologist who was forced to enter cryostasis when a massive ice storm struck her Antarctic research station. She awoke 9 years later as the only survivor of her team. Ever optimistic and determined to fight for a better future, Mei became one of the first agents to answer the call and rejoin Overwatch. Having discovered the Nexus, Mei now battles to protect her friends from bullies of all species and origins. Mei is a hardy tank who deploys climate manipulation technology to slow and disrupt her opponents. Durable and mobile, with frigid crowd control abilities, Mei is as comfortable diving into the enemy's back line as she is protecting her own team. Mei's first ability, Snowblind, flings a snowball that damages, slows, and blinds all enemies in the impact area. I hate bullies! With Blizzard, Mei calls on her robotic companion, Snowball, to generate a fierce snowstorm that damages and slows enemies in a target area. Great work, Snowball! When Blizzard ends, enemies in the area of effect are stunned and take an additional burst of damage. Mei's icing ability coats her boots in frost, allowing her to skate across the battleground at high speed. When icing ends, frost explodes outward, knocking back, slowing, and damaging nearby enemies. Mei's activatable trait, Cryo Freeze, encases her in ice, restoring health, granting shields, and making her unstoppable for the duration. Perfect for surviving any onslaught. Cold as ice! Mei's first heroic ability, Avalanche, creates a massive snowball that rumbles across the battleground, consuming every enemy hero it touches. The ball explodes at the end of its path, dealing damage and stunning any heroes trapped inside. Mei's second heroic ability, Ice Wall, raises a towering wall that blocks movement and traps any enemies unlucky enough to find themselves inside. After a short duration, the wall explodes, slowing all affected enemies. Got you! Yay! Bundle up, heroes. There's a polar storm entering the Nexus, and her name is Mei. Her combination of high mobility, crowd control skill shots, and blockbuster heroic abilities make her a breath of fresh Antarctic air. Mei might just be the coolest hero yet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour parler un petit peu du spotlight de Mei, alors de Mei plutôt. Il va y avoir donc une autre vidéo spéciale vraiment avec l'interview comment le perso a été conçu, quelles sont, pas mal de choses concernant le perso, la création et autres lors d'une interview exclusive avec les développeurs de Blizzard. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer vraiment plus sur le kit en lui-même et sur ce que le spotlight nous apprend. Alors, j'ai bien sûr la liste des talents, mais en dehors des talents, moi je veux voir ça. On testera sur le PTR. Bien sûr, avec la découverte de Mei, puis des games de PTR évidemment. Mais globalement, du coup, ce qui est super cool, c'est d'apprendre que Mei est un main tank, et donc ça fait plaisir parce que mine de rien, dans la méta, il pouvait nous manquer. Enfin, c'est vrai que c'est tank et le rôle qui a eu un peu le moins de perso récemment. Donc, c'est vrai que en dehors de Mal'Ganis puis de Garrosh, il y avait Blaze certes, mais Blaze il a fallu du temps avant de pouvoir le rendre en main tank. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça va changer probablement pas mal de choses. Alors, moi j'avais un peu peur que Mei tombe du coup. Quand j'ai appris que c'était Mei, je me suis dit, je connais pas encore son kit et tout. J'étais en mode, bon, de toute façon. J'ai vu beaucoup de réactions un peu disproportionnées de gens qui disaient « Ah, c'est Mei, c'est de la merde, etc. etc. » Mei, bien sûr, sur Overwatch, vous pouvez avoir vos préjugés, parce que c'est vrai que dans un shooter, un perso qui vous contrôle en permanence, c'est horrible. Mais pour le coup, dans un MOBA, c'est quelque chose d'assez commun, au final, les contrôles. À Nubarak, on n'est pas en mode « C'est le démon, blablabla, blablabla. » Donc, au final, faut attendre de voir. Et en l'occurrence, Mei, mine de rien... J'avais un peu peur aussi qu'elle concurrence Arthas au niveau de son kit, et c'est pour et eux-mêmes, vous verrez dans l'interview avec Blizzard, ils ont eu la même peur, et au final, eh bien, on est plus sur un personnage qui est sur le froid, un main tank, mais contrairement à Arthas, où c'est sur la durée en permanence, etc., mais il ressemblerait plus à un Anubarak Arthaïsé, on va dire, c'est vraiment un perso de combo, et on va voir juste après. Donc, les forces, les contrôles, les CC, évidemment, tous ces sorts ralentissent les ennemis, la mobilité grâce à son dash, mais bon, d'un autre côté, mobilité, oui et non, hein, parce que...
à ce moment-là, Anubarak est ultra mobile. Or, Anubarak, quand t'as fait EA, ou Diablo, quand t'as fait AE, bah, t'as plus rien. Donc, mobilité, oui et non. C'est-à-dire que mobilité, elle a un dash, quoi. C'est ça, sa force de mobilité. Elle a un dash. Le problème, c'est que le dash, tu dois l'utiliser pour le contrôle. Donc, bon. Et survivabilité, puisqu'elle a également le D. On reviendra, mais la stase là qui lui permet de pas mal tanker, c'est une espèce de galvanisation de Johanna mais sans pouvoir bouger. Et du côté de la des alors des fragilités, le siège de mage c'est égal à très très peu de dégâts. Elle a très peu de dégâts en PvP et burst de mage. Alors visiblement de ce qu'il disait, burst de mage c'était elle, mais enfin en gros elle a pas de dégâts, hein, mais il y a très très peu de dégâts. Mais par contre, elle est également très vulnérable aux dégâts sur la durée. On y reviendra aussi, puisqu'elle peut facilement se faire kite une fois que le E est parti. Bah, elle n'a pas beaucoup d'armes, bien sûr, contre les auto-attaqueurs sur les longs fights. Mais en termes de burst, bon, elle a quand même le dé pour se protéger d'un burst. Mais c'est vrai que sinon, ça peut être un peu délicat. Donc, présentation de ses sorts avec le A. Donc, le ralentissement. Enfin, ça ralentit évidemment comme tous les sorts, mais c'est surtout l'aveuglement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Un petit aveuglement à distance qui applique un slow. Donc ça c'est plutôt cool. Le blizzard, ça c'est vraiment le sort très intéressant puisque ça permet en fait de poser un Z qui va ralentir les ennemis dans la zone et à la fin d'un certain temps, je crois que c'est 2 secondes, je sais plus si c'est 1,75 ou 2 secondes, eh bien vous avez donc un stun qui va s'appliquer en zone. Le truc c'est qu'évidemment pendant la durée du slow, le slow est pas énorme, hein, c'est du 30% je crois, un truc comme ça. Vous pouvez du coup sortir de la zone et si vous sortez de la zone, bah, vous êtes juste ralenti, vous n'êtes pas stun. Donc on va voir que son kit, il y a un combo, vous allez vite le comprendre, c'est avec le E évidemment. Bon là, bon, évidemment, hein, si vous faites pas de hit and run et que vous restez dans la zone, c'est compliqué. Mais vous voyez, c'est quand même un petit peu long. Je crois que c'est 2 secondes, hein. C'est 2 voire 2,5 secondes. Le E, donc ça, c'est son seul outil de mobilité, c'est son dash. Donc ça slow les ennemis touchés, mais surtout ça bump sur la sortie. Donc, enfin, pas que sur la sortie d'ailleurs. Donc pendant le... Je sais plus si pendant la trajectoire, ça bump aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ralentit. Je crois qu'il le remontre à la fin. Ouais, non, c'est que à la sortie que ça bump. Mais du coup, eh bien, on va voir, mais l'intérêt, ça va être de ZE. Alors, ils le font pas une seule fois du spotlight. Mais le principe, en fait, ça va être de poser le blizzard. Les mecs vont essayer de sortir et vous allez claquer le E pour les rebalancer au centre du blizzard pour les paquets et les stun. C'est ça le combo, en fait, de Mei. Donc, si vous faites ça, bah, le E, vous l'aurez pas pour vous escape. Donc, la mobilité est relativement moyenne. Le D, donc le cryo freeze, attention, ce n'est pas un ice block. Moi, quand j'ai lu un petit peu les sorts au départ, je me suis créé au freeze. C'est vrai, comme dans Overwatch, chez une stas, un ice block en fait. Non, c'était pas un ice block. Vous pouvez taper la Mei qui est c'est pas une stas du coup, mais dans le bloc de glace. Le truc, c'est qu'en fait, elle a un shield qui la rend insensible. Donc, elle a un énorme shield en pourcentage. Enfin, je sais plus si c'est en pourcentage HP ou si c'est des valeurs pures. Ce qui est sûr, c'est que ça soigne tout simplement une partie. Je crois, c'est 20 ou 30% de ses PV max. Donc, c'est assez énorme. Enfin, c'est pas mal, hein, mine de rien. Alors, le fait qu'elle soit insensible, ça veut dire juste qu'elle peut pas être bump ou autre, mais d'un autre côté, elle peut être stas, par exemple. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut permettre un petit peu de calmer un burst adverse. Une espèce de galvanisation de Johanna, mais sans pouvoir bouger, hein, tout simplement. Et ça peut permettre de tempo, par exemple, un E, pour pouvoir E out. Vous avez fait E in, là vous en prenez un peu plein la tronche, hop, vous claquez le dé, pour pouvoir E out, éventuellement, si ça commence à se compliquer. Voilà, sur le burst pour temporiser les coéquipiers, tout ça, tout ça. Première ult, avalanche. Alors l'avalanche, on sait pas encore si c'est purifiable ou pas. On testera, c'est l'un des premiers trucs que je vais tester, je pense, sur le PTR. Mais ce qui est certain, c'est que l'avalanche, c'est une espèce de bourrasque de Falstad, mais avec une mécanique un petit peu proche d'un cocon ou d'une gueule vorace de Zagara. Donc en gros, ça attire l'ennemi dedans. Et en fait, ça va continuer à avancer, et à la sortie de l'avalanche, ça explose, ce qui va stun l'adversaire. Vous voyez en plus, alors, je sais pas si ce sera en jeu aussi cet indicateur visuel pour dire où est-ce que l'avalanche arrive, ça c'est plutôt sympa pour les coéquipiers. Et du coup, on voit en fait les mecs sont attirés dedans, et à la sortie sont stun. Donc ça a l'air très intéressant, mais d'un autre côté, ça va pas être si simple à utiliser, soit pour disengage, mais pour engage, ça veut dire utiliser le E pour vous retrouver derrière l'ennemi, etc. Un petit peu à l'image d'une bourrasque de Falstad. Ça me fait penser à un mélange entre la bourrasque de Falstad et le R de Stukov, vous savez, le bras, c'est l'éruption... infectieuse ou je sais plus quoi, le truc, le vin, enfin le disque qui bump. Et en l'occurrence, ça me fait un peu penser à ça. L'utilisation va être peut-être similaire. On verra si les galvas fonctionnent. Par exemple, une Johanna qui galvanise, on claque le truc,
Le mec est insensé à ça, mais derrière toute sa team se fait bouger, un petit peu à l'image d'une bourrasque de Falstad, ça peut être assez intéressant. Et vous voyez, ça bloque tout le monde dedans et à la sortie, c'est un stun. Donc ça, c'est assez intéressant. 60, 10 secondes de CD, il me semble, Avalanche, ou 60 ou 70 secondes de CD. Et l'Ice Wall, qui lui aura 90 secondes de CD, c'est une espèce de prison du vide, un mélange de prison du vide, et c'est un mélange entre le mur de Tassadar, le bloc de le pic à glace de Kel'Thuzad et la prison du vide de Zeratul. Donc l'Ice Wall, je crois que c'est 60 secondes l'avalanche. Il me semble que c'est 60 et 90 pour 90, je suis sûr pour le mur. Mais du coup, vous voyez, si ça attrape les mecs sur place, eh bien ça met une stase. Et à la sortie de la stase, alors ce qui est intéressant, c'est que visiblement la stase, alors on verra si ce sera la même chose, mais la stase, c'est un peu comme un saut tellurique de Medivh, mais on va dire ça, j'ai l'impression que c'est comme une prison du vide, c'est-à-dire que les mecs, l'animation, elle est touchée direct. Vous voyez, ils ont le même, avec la barre orange en dessous, vous voyez qu'ils ont le même temps de stase. Donc j'ai l'impression que c'est pas mal, c'est mieux que Medivh, ou Medivh, bah, vous pouvez potentiellement avoir des mecs qui n'ont pas la même durée de stase, c'est plus comme une prison du vide pour pouvoir faire un combo. Mais d'un autre côté, si jamais l'ennemi n'est pas dans le mur lors de son incantation, il se retrouve bloqué par le mur comme un mur de Tassadar classique. La différence, c'est aussi que, comme le pic à glace de Kel'Thuzad, à la fin, il explose et va ralentir l'adversaire. Je sais plus s'il fait des petits dégâts à la sortie, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie, il explose et ralentit l'adversaire, ça c'est certain. Donc le petit, là faut voir une blague de développeur, hein, parce que c'est vrai qu'on avait un peu peur. L'une des critiques sur Mei, c'était qu'elle est le kit d'Arthas ou le kit de Jaina, du coup elle lui balance une avalanche dessus, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà pour ce qui est du kit de Mei. Honnêtement, j'étais, si vous avez vu ma vidéo sur le top 10 des persos Overwatch que j'attendais, Mei était dans les bonus en mode, je sais pas trop, parce que il y a moyen de faire des choses sympas, mais globalement c'est un peu, soit tu fais un DPS et c'est Jaina en moins bien, en plus chiant et full cancer, soit c'est Arthas et du coup quel intérêt. Au final ils ont fait un, ils ont bah, lors de l'interview avec les devs, vous l'entendrez hein, si vous la regardez ou si vous l'avez déjà vu, ils ont justement eu ce même questionnement et au final ils en ont fait un perso à combo. Donc c'est probablement le perso d'Overwatch qui ressemble le moins, alors le moins, on a toujours bien sûr le visuel, on a toujours les dynamiques, les mécaniques et on reconnaît le personnage bien entendu, mais c'est vrai que de son kit, de son gameplay, c'est probablement le personnage d'Overwatch qui ressemble le moins à son état dans Overwatch. Je veux dire, Tracer c'est du calque, Hanzo bien sûr il y a eu le rework Hanzo sur Overwatch, du coup il n'y a plus le mille flèches tout ça, mais Hanzo c'était le Hanzo d'Overwatch, D.Va c'était la D.Va d'Overwatch aussi. Au final, Mei il ressemble bien, enfin est vraiment différente. Par exemple, il n'y a pas le truc qui slow de base avec l'auto en spray là et qui va stun. Non, non, ça, il n'y a pas. Donc, le perso est quand même assez intéressant. On a un perso à combo, pas trop de dégâts, donc elle risque pas trop d'être utilisée. Enfin, elle peut être utilisée en solo lane, mais pour le moment, dit ce qu'il semblerait, on est plutôt vraiment sur du main tank Mei. Donc, honnêtement, elle risque d'avoir peut-être sa place. Faudra voir avec les talents, les stats, etc., bien entendu. Mais d'un point de vue kit, c'est vrai que le perso semble assez intéressant. Et comme quoi, faut peut-être parfois ne pas juger trop à l'apparence et attendre un petit peu, parce que j'ai eu beaucoup de réactions. Moi, j'étais sous NDA, donc je pouvais pas en parler, mais j'ai eu beaucoup de réactions en mode « Oh, mais c'est le cancer, comme sur Overwatch et tout. Bah, » au final, le perso, bien sûr, il y a ma slow, hein, donc forcément, il peut être un petit peu frustrant, mais je veux dire, des persos à slow, il y en a plein dans Heroes, et c'est pas spécialement un problème. Donc le kit a l'air vraiment, cool, il y a quand même du counterplay aussi sur Mei, donc moi, je suis intéressé. Je suis pas non plus, c'est pas le perso qui m'a le plus hype, mais honnêtement, agréablement surpris de ce qu'ils font avec le perso. J'étais un peu triste. Je m'attendais à du Reinhardt ou du Winston pour un tank d'Overwatch, et au final voir Mei, j'étais un peu en mode ah bon bah dommage, mais en faire un main tank bah c'était plutôt une bonne idée, et avec ce kit là ça reste assez intéressant. Donc voilà pour ce qui est du kit de Mei. On verra les talents encore une fois, mais il y a pas mal de choses concernant justement la mécanique de combo, sur ses auto-attaques aussi, faire un truc qui fait que son auto-attaque peut slow. Il y a quelques talents à régène, elle a des talents, elle a un palier 16 très très fort, hein. J'ai déjà regardé un petit peu, on a un palier 16 très fort, les 20 ne sont pas ultra OP, les 20 sont pas mal, mais par rapport au dernier perso et au dernier rework, les 20 sont pas wow, godlike, j'ai trouvé, ça m'a assez choqué, on va dire, enfin choqué, ça m'a étonné, parce que c'est pas trop dans le délire de dernièrement, mais par contre, ouais, honnêtement, elle a des talents très intéressants. Il y a un ou deux paliers où je pense que faudra tester, encore une fois, bien entendu, c'est qu'un aperçu, mais il y a quelques talents où je pense que le perso, il y a quelques paliers où je pense qu'il y aura
Il n'y aura pas trop de choix. Mais par contre, sinon, globalement, aussi en termes de palier, le perso est assez intéressant. Je repense vraiment au palier 16, où les 3 sont très très forts. Alors que ça, c'est l'ult niveau 20 d'ailleurs que vous voyez sur l'avalanche. En gros, ça réduit le temps de recharge de l'avalanche. Donc, rien que pour ça, c'est pas mal. Et ça va balancer des A en fait en version sans talent de Mei. Donc, il y aura un build un peu plus sur le A, un build un peu plus sur le combo avec le reset du E sur le Z, etc. Donc, et un peu plus auto-attaque. Donc, il y a des choses assez intéressantes, honnêtement, à tester. Mais je pense que pas mal de choses peuvent être cool. Donc, ça, voilà, c'est le 20 de l'avalanche. C'est le 20 de l'avalanche que vous avez vu ici. Et vous voyez le combo est là en fait. S'il le fait, pardon. Il le fait ici le combo. C'est-à-dire bump le Thrall dans le stun. Et ça, c'est super intéressant puisque ça va être la mécanique de combo pour assurer un stun. Donc c'est pas si simple non plus que ça à faire. Mais bon, là ça sert à rien par contre qu'elle fait. Mais du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ou pareil, on focus un mec avec le mur a l'air très fort. Hein. Le mur a l'air très fort. L'avalanche, ça a l'air très rigolo. À voir si ce sera compétitif. Le mur, ce qui est sûr, c'est que lui sera compétitif. Hein. Ça, c'est certain. L'avalanche, faut voir un petit peu comment on va pouvoir le réaliser. Il y a moyen que ce soit très très fort ou que ce soit pas terrible. L'avalanche. Mais d'un autre côté, ça sera très rigolo. Ça, c'est certain. Et le 20, je sais pas trop, sur l'avalanche, on verra, on testera bien entendu. En tout cas, voilà, j'espère que cette découverte du kit de Mei vous a plu. Je vous invite très fortement à aller voir l'interview que j'ai eue avec les développeurs de Blizzard. La première partie est en anglaise avec les questions en anglais, et ensuite, bien sûr, je traduis tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vidéo assez courte, mine de rien, mais voilà, je pense qu'on a, on verra. Hein. Là, pour le moment, c'est que la découverte du gameplay, donc on verra par la suite ce que le perso fait. Mais honnêtement, moi, je suis... on va dire que j'étais sceptique, j'étais pas non plus en mode anti-Mei, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'anti-Mei, mais globalement, bah assez agréablement surpris, ouais, si, par son kit, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me donner vos impressions et à vos retours dans les commentaires évidemment. On testera ça sur le PTR bien sûr, sur le stream, et je mettrai les VOD sur YouTube. En attendant, voilà, plein de bisous, à bientôt, à plus dans le Nexus. N'oubliez pas de liker la page YouTube. Ça ne veut rien dire, ça. La page Facebook, le follow Twitter, évidemment. Likez la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, faire un tour sur le site où vous retrouvez les actus, etc. Même si vous n'avez pas Twitter, vous avez les actus, le stream, le planning de stream, etc. Vous avez le Discord également dans la description. Voilà, plein de bisous.